Pour nous, l'autisme, c'est un peu comme un grand mouvement, sans couleur ni drapeau. Personne ne comprend vraiment de quel idéal il se revendique. Lovés dans un flou artistique, rares sont ceux qui réussissent à faire entendre leur voix. Le constat est alarmant. Mais pour la communauté scientifique, l'autisme, ce serait un pas de bol génétique. Et voilà tout. Circulez, y a rien à voir. Bon. Avec Nico, on a un frère. Ouais, et depuis tout gamin, on a envie d'en parler. On a grandi dans cette idée que parfois, certaines choses sont irréversibles. Que là, derrière, il n'y a personne. Sauf qu'un jour, Robin, il s'est mis à écrire. Alors, et si tout pouvait changer? Et si au bout du compte, rien n'était fixé? Aujourd'hui, il y a urgence parce que Robin ne tiendra bientôt plus debout. Mais nous savons qu'il existe des principes simples, mais essentiels, qui régissent la physiologie du corps humain. Alors on s'est posé la question, comment va la physiologie de Robin depuis tant d'années, là-bas dans son lieu de vie? On devait faire quelque chose, avant qu'il ne soit trop tard. Alors, on est allé chercher l'inspiration dans la Drôme de notre enfance, histoire d'élaborer un plan. Ça n'a pas été facile, parce qu'il fallait d'abord décrasser le mental, pas facile de parler de soi. Un soir, on en est arrivé là. Il fallait qu'on prenne du temps avec lui, et ensuite, partager notre regard. On allait faire un film, un road trip en autisme, rien que ça. Un film que les gens auraient envie de voir, parce que notre situation n'est pas isolée. Partir à l'aventure tous les trois, croiser la route de ceux qui mettent la main à la pâte, et si possible, essayer leur solution, quitte à devenir nous-mêmes un peu frappés du ciboulot. Tu vas où? Tu montes devant? Ils sont de tous horizons et ils parlent sans tabou. Thérapeutes, médecins, éducateurs, chercheurs, artistes impliqués, parents, warriors autistiques. Ils peuvent nous aider à comprendre. Et s'il y avait un sens à tout ça? Parler d'autisme, c'est parler à tous, handicap ou pas handicap. Et si l'autisme était un point d'appui, un seuil, une mise en garde sur l'état de notre société? J'aimerais bien aller faire un tour là. Tu me dis? On va marcher un peu? Hein? Faire le tour du pâté de maison? C'est un peu une sorte de discordance, je crois, et du coup, c'est moins évident. La rue nous a pas. Tiens. Je pense qu'il est tout le temps à l'écoute. Bref, c'est l'histoire de deux frères. Qui avaient un frère. Et ça, c'est déjà une grande histoire. C'est déjà une grande histoire. Qu'est-ce que nous avons à prendre avec ça? Avec lui?